Portrait d'artiste, nous recevons aujourd'hui un artiste exceptionnel, un monsieur qui a marqué la région sur le plan artistique, M. Raymond Lachance. M. Lachance, bonjour. Bonjour. Plus de 50 ans de carrière, des centaines d'œuvres, des élèves qui ont réussi. Vous devez être fier de votre carrière? Ah oui, ah oui. Oui, c'est... Je suis content de la... Surtout quand je vois que j'ai des élèves, que j'ai des cours, puis que... Il faut quelque chose d'intéressant, là. Ouais. C'est une belle réussite. Ah oui. En 1987, on remonte loin un peu, là. En 1987, Francesco Iacorto disait à qui voulait bien l'entendre que vous étiez probablement l'artiste qui avait le meilleur contrôle en matière de dessin. C'est un don naturel ou une qualité que vous avez développée? Ah, oh, ça, c'était naturel. J'étais jeune, puis je passais mon temps à dessiner. Quand j'étais jeune, 5, 6 ans, quelque chose, je dessinais tout le temps, tout le temps. Dessin d'observation? Ça a été une facilité pour moi de dessiner. OK. Oui. C'était les couleurs, surtout, qui m'embêtaient le plus. Ah, OK. Ah oui. Donc, on dessinait en noir et blanc et tout allait bien. Oui. Donc, vous travailliez au crayon à ce moment-là? Oui, c'était tout simplement un crayon. Là, que je prenais un crayon puis un bout de papier, puis je me couchais à terre, je dessinais sur le plancher. Donc, c'était vraiment un don naturel. Ah oui, ah oui. Vous n'avez jamais appris le dessin. Vous l'avez travaillé. J'ai commencé, mais quand j'ai appris, oui, j'étais prendre des cours à Québec, de Iacorto. OK, là. OK. Ouais, là, ça a été les premiers cours. Puis, en voyant dessiner, il dit, tu perds ton temps, c'est... Il dit, j'ai rien à te montrer. Eh bien, c'est encourageant, ça. Ben oui. Je vais peut-être reculer un petit peu loin dans le temps, mais selon nos renseignements, à l'époque où vous avez travaillé pour l'Asbestos Corporation, on dit que vous passiez des heures à dessiner, c'est vrai? Oui, ah oh oui. Oui. À l'ouvrage? Oui, oui. Je me traînais toujours un petit cartable dans ma salle de travail. Puis quand j'avais une chance de prendre, vous voyez les gars travailler, puis tout ça, je faisais des croquis. Ah bon? Oui. Vous travaillez d'après observation à ce moment-là? Oui, oui, oui. Oui, bien c'est parce que les électriciens, on avait un camion, on pouvait aller un peu partout, même on sortait un peu de la mine, puis on allait dans le paysage alentour, c'est ce que j'en profitais pour ça, tu sais. D'ailleurs, l'Asbestos m'a acheté beaucoup de tableaux aussi. Ah, ça fait que un bon client. C'était moins embarrassant. Oui. Donc, ça a été une passion. Le milieu de l'art a été une passion pendant toute votre vie. Ah oh oui, ah oh oui. Ah oh oui. Puis quand j'étais jeune, je bricolais, j'étais jeune, là, 6-7 ans, mes parents étaient toujours ramassés, ces affaires. T'sais. Quand j'avais fini de jouer avec ça, je laissais ça. Uh-huh. Ouais. Vous avez travaillé pendant longtemps à l'Asbestos Corporation? 24 ans. Puis moi, je trouvais que c'est, je dis toujours, c'est 24 ans perdu. Quand vous avez décidé de laisser cet emploi, ouais. Est-ce que ça a été difficile? Non. Non? Non, non. Non, c'est parce que je savais que j'avais d'autres choses aussi. Tu sais, que je faisais de la musique aussi. Je donnais des cours de musique, des cours de dessin aussi. Ça fait que quand j'ai vu que je pouvais arriver avec ça, j'ai laissé. Vous aviez déjà commencé à donner des cours avant de laisser votre emploi? Oh oui, oh oui. Plusieurs années? Oui. Plusieurs années. J'ai fait ça, je pense, une vingtaine d'années, les cours. Oui. Mais jamais ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en font aujourd'hui et qui ont essayé. Oui. Ouais. Vous avez fréquenté Iacorto, Rousseau et ouais. Bien d'autres noms connus. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque et de ces personnes? Moi, ça a été Iacorto. J'ai trouvé que, ben, pour le dessin, les autres, c'était pas tellement le dessin, mais j'ai eu Iacorto, Albert Rousseau aussi. Rousseau, qu'est-ce que j'ai aimé de lui? C'est parce qu'il nous permettait de. Il nous faisait oser. Tu sais, de ne pas avoir peur de faire quelque chose, puis de laisser faire la critique. Ah oui. Après ça, j'ai été pendant mes vacances aux États-Unis aussi. Ah oui? Oui. Vous alliez oui. Rencontrer d'autres artistes? Oui, oui. Groupie aux États-Unis. Oui. OK. C'était un bon peintre, mais ben moi, c'est Albert Rousseau qui m'avait dit. Il allait le voir, lui. Je suis allé le voir, mais...
Mais j'ai trouvé que qu'est-ce qu'on avait, nous autres, ça suffisait. On avait des bons Québécois. Oh oui, oh oui. Et est-ce que vous avez continué pendant longtemps à aller chercher de ces formations-là? Non, non, j'ai fait ça un bon bout. Puis quand j'ai vu après ça que, tu sais, à force de courir, la même, on venait toujours au même. T'sais. Fait que là, j'ai travaillé pour moi. Le travail, hein, Ouais. c'est Puis bien quand j'ai vu important. après ça que j'avais toujours envie de me répéter, c'est là que j'ai arrêté. OK. Ouais. OK. Vous avez touché à tout comme médium? Peinture, sculpture, aquarelle, dessin, les encres Oui. japonaises, la calligraphie, La calligraphie. gravure, eau-forte. Oui. Sans parler de la musique qui vous occupait beaucoup. Oui. Vous considérez-vous comme un artiste complet? Alors, je ne sais pas si on est toujours complet. On va être complet. On faudrait pas, parce que si on serait complet, on arrêterait. Tu sais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à Ah, apprendre. oui, ah oui. Ah oui, en or, là, on ne s'amuse pas avec ça. Faut aimer ça parce que des fois c'est décevant. Oui. Oh Et au niveau des connaissances, si je me rappelle bien, vous avez été chercher aussi certaines connaissances à l'Université du Québec à Trois-Rivières. oui. Vous avez Oui. fait un bac en art. Oui, j'ai un bac en or, tu Est-ce que ça vous a apporté beaucoup plus? Non. OK. Non, non, sur le. Même, il y a des professeurs qui m'ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? T'sais? Donc, avec les capacités que tu as, là, va donc travailler au lieu de prendre des cours. Mais quand on ne sait pas, moi j'avais toujours été autodidacte comme ça. J'ai appris la musique, c'était pareil, j'ai jamais eu de professeur. Mais je voulais savoir si vraiment qu'est-ce que j'apprenais, c'était bon. T'sais. Fait que là, les professeurs m'ont dit ça. Je me souviens de ça, ils m'avaient dit d'apporter un paquet de tableaux que je faisais puis de dessins. T'sais. Puis là, je leur ai montré ça. Ils ont formé mon paquet, puis on dit, voilà, chez vous, t'as plus besoin. T'as besoin de devenir, tu sais. C'est beaucoup une question de recherche personnelle, je pense. Ah oui. Faut aimer ça. Faut Ouais. aimer ça. Parce que dans le dessin, quand on aime ça, ben, on passe notre temps à regarder, puis on découvre tout le temps. La curiosité, Ah oui, ça n'en prend beaucoup, je ah pense. oui, ah oui. Oui, puis même si on est tout seul, moi je m'en allais marcher dans la nature, je passais mon temps à regarder, je regardais les effets de la lumière aussi, tout ça, les ombrages. Mais faut avoir une base, puis savoir quand tu veux dessiner, comme je disais tantôt, les ombrages, les valeurs, il n'y a pas juste le dessin de la ligne, il faut remplir ça, cette ligne-là. Là, Oui, ce que vous faites assez bien d'ailleurs, je ah pense. oui. Vous avez surtout travaillé à l'huile. Oui, dans le temps, parce que quand j'ai commencé, l'aquarelle puis l'acrylique, pas l'acrylique, on n'entendait pas parler, tu Non, sais. c'était pas. Mais j'ai commencé avec l'huile. Après ça, l'acrylique, j'aimais ça surtout pour faire la base de dessin. La Parce que base. ça séchait vite, tu sais. Oui. Aussitôt que c'était sec, là, ben, je prenais l'huile, tu sais. On retravaille à l'huile. Mais c'est surtout l'huile, par exemple, tu sais. Puis après ça, j'ai fait du fusain aussi. Avec ça, c'était avec Jacorto, le fusain aussi. OK. Ouais. Mais Jacorto, c'était intéressant parce qu'il nous faisait dessiner le corps humain. Puis avec les autres, bon, on faisait des paysages, toutes sortes de choses, des natures mortes. Ouais. Est-ce que vous avez fait beaucoup de personnages? Les personnages que j'ai faits, c'est juste dans les cours. OK. Ouais. OK. C'était pas vos sujets préférés. Non, ben parce que les personnages, c'est difficile à voir aussi. C'est pas tout le monde qui Plus. veut Non. Non. s'exposer. OK. Mais moi, je le faisais dans les cours. D'abord, c'était avec. En faisant les personnages, on apprend à dessiner. On Exactement. le voit tout de suite parce que chaque personne a son caractère puis est seule. Tandis qu'un paysage, comment qu'on change ça, c'est pas grave. Mais les personnes, on peut pas changer ça. Exactement. J'aimerais toucher à un autre aspect de votre carrière, l'enseignement. Vous êtes sûrement le meilleur professeur que la région ait connu.
À mon avis. Ouais. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs de vos élèves connaissent de belles carrières. Je pense entre autres à Serge Nadeau, Guiroy, Claude Delisle et dernièrement Martine Cloutier, Oui, qui est oui, en oui. pleine montée, si on Ah veut. oui. Est-ce que tous ces résultats vous rendent heureux? Est-ce que Ah ça vous oui. comble? Ah oui, ah oui. Parce que quand je vois comme Serge, lui, Nadeau, les arts, ça ne m'a jamais touché. Puis là, quand il a commencé ça, là, ça travaillait. Lui puis Guiraud, ça, c'était deux gars, là, que ça avait pas intéressé tellement. Mais ils sont intéressés là-dedans, puis ils en font encore aujourd'hui, tu sais. Eh oui. Puis Martine était bonne aussi. Mais Martine avait un talent naturel. Ah oui, elle était bonne, elle. Oui. Oui, puis elle va bien aussi. Ah oui. Est-ce que ça vous a apporté une satisfaction personnelle d'enseigner? Ah Qu'est-ce que oui. ça vous a apporté? Ah oui, ah oui. Ben, d'abord, le plaisir d'en faire, de De faire découvrir découvrir. les gens, tu sais. Ceux, des fois, il y en a qui envoyaient, qui parlaient, ils disaient, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça. Puis, ils doutent, les gens vont douter, tu sais. Fait que je leur disais, là, puis je leur disais d'aller prendre des cours, puis j'essayais d'aller les aider pour ça, mais ça marchait, tu sais. Mais ceux qui n'aimaient pas ça, comme les sportifs, là, ils vont aimer plus c'est du Oui, sport que c'est du oui. dessin. Malgré que certains, des fois, bifurquent et changent d'un Oui, peu. ouais. Mais c'est parce que ça bouge plus, le sport, puis Oui. la peinture, c'est plus tranquille. Mais ça peut. Les artistes, il peut y avoir des artistes parmi les sportifs, ça. Aussi, Oui. aussi, aussi. Vous avez Puis. enseigné plusieurs années. Ah, oh, je pense que c'était une vingtaine d'années, je pense que j'ai. Oui. Il Oui. était une période, c'était en haut du bureau de poste. Ça a été mon premier logement là, pour avoir donné des cours en haut du bureau de Il a poste. passé beaucoup de monde, là. Oui, ah oh, oui, là, il y a. Oh, c'était oui. Intéressant. C'était haut, il y avait beaucoup de fenêtres, tu sais, De puis on regardait lumière. de loin, tu sais, pour faire. Oh, on avait l'avantage d'avoir déjà des paysages de loin, tu sais, oui. Ouais. On peut dire qu'il y a une bonne majorité des artistes de la région qui ont passé par vos ateliers, je pense. Ah, beaucoup, Beaucoup, beaucoup. hein? Je n'ai pas compté comment je n'avais, mais il y en a passé beaucoup. La plupart qui en font aussi, c'est ceux qui ont passé par. Comme Martine, ça a été une des dernières, ça. Oui. Guiraud, Serge Nadeau, ceux qui ont. Il y en a d'autres ben, qui n'ont pas fait. Claude Delisle aussi, Claude, entre ah oui, autres, Claude, ben oui. qui a suivi pendant un grand bout de temps votre carrière aussi. Ah oui, Claude, lui, ben. C'est un ami en même temps, tu sais, c'est que. Ah oui, Claude, je pense que c'est lui qui. Il n'a plus plus longtemps avec lui. Ouais. Pourquoi pas? Certaines grandes écoles de peinture font référence à Raymond Lachance comme étant un maître des couleurs de terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'abord, la couleur de la terre, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire avec ça. Les ocres, les bruns, les Oh! oranges et tout ça, on calcule que vous êtes un Ah, expert dans ces couleurs-là. Est-ce que ben, tu sais, vous... moi, pour moi, ça. On retrouve Non. souvent ces couleurs-là dans vos toiles, dans vos paysages. Ben, ça, pour moi, je ne le voyais pas, ça. Ah non? Non, non. Il me semble que si j'avais changé les couleurs, peut-être pas les couleurs de terre, ça aurait été peut-être trop fort, ça, pour moi, la couleur. Ouais. Parce que vous avez peint beaucoup la nature. Ah, c'était toujours C'était ça. votre sujet de Oh, oui. prédilection. Ah oui, ça. Puis j'avais toujours un cartable dans mon char, puis je m'en allais à la machine, puis je courais les rangs. Si je voyais un paysage qui me plaisait, j'arrêtais tout de suite, je faisais des croquis. Puis si les couleurs étaient différentes, j'écrivais avec des lettres, t'sais, couleur telle, telle couleur. T'sais. Est-ce que vous avez peint dehors beaucoup ou surtout du croquis? Ah, c'est surtout dehors. Ah oui, dans mon atelier, je peignais pas. Non. C'était plus à Non. l'extérieur. Même si je faisais des croquis, c'était pour toujours me faire la main pour le dessin, La t'sais. base. Mais quand je voulais faire des paysages, il fallait que j'aille dehors. Ah oui. Il me semble que j'aurais pas rien trouvé. Vous T'sais. étiez un homme qui aimait la nature Ah, pour ben oui. aller en nature Ah beaucoup? oui. Ça, par exemple, ça, la nature. Ah oui? J'ai commencé ça jeune. Ah oui. D'abord, quand on était jeune,
quand on allait se baigner, puis moi, je restais aux côtés du terrain de jeu, qui avait une piscine. Il y avait une rivière, ben, je préférais aller me baigner dans la rivière. On se faisait un barrage pour monter. On était là. J'ai toujours été dans. Après ça, j'étendais des collets ou les lièvres, des pièges ou des blettes, des petits animaux à fourrure. T'sais. Mais la nature, ça m'a toujours intéressé. Oh, oui. Vous n'étiez pas un sportif? Pardon? Vous n'étiez pas un sportif? Le sport, je l'ai fait un bout de temps. Oui, parce que j'ai déjà été. Quand j'allais à l'école, j'étais le capitaine du club Oui. de Ah, de hockey. hockey? Oui. Eh bien. Oui. Ça, je connaissais pas ça de vous. Oui, mais ça a duré Ça juste n'a pas été une long. saison. OK. Oui. Donc, vous n'aviez pas d'autres sports que vous pratiquiez habituellement? Non, non, non. Moi, c'était toujours C'était aller dans. vraiment les arts qui Ouais, vous. aller dans la nature tout le temps. Puis, qu'est-ce que je sais jamais aussi à l'école? Qu'est-ce que je sais jamais, c'était pratiquer à tirer du fusil. La précision du fusil, là. OK. Ça, à tous les samedis, je fais ça pendant une couple d'années certaines. Ah oui? Ben, c'était un frère qui il avait les cadets, OK. puis il m'avait demandé pour lui aider. T'sais. Puis là, j'aimais ça. C'est ça, dans le tirer du fusil, c'était des 22 qui pesaient comme un fusil de soldat, quoi, comme s'il était pesant, t'es gros. Puis là, ben, à 60 pieds, il fallait que je tire. C'est la grosseur d'une cartouche de 22. C'est pas gros, c'est plus petit que le doigt. Oui. Ça, Mais vous n'étiez pas un chasseur. non, du tout. OK. Un chasseur, je courais le. J'étendais des collets Des pour les collets, oui, mais lièvres. c'est différent. Mais j'ai jamais eu de fusil pour aller dans la nature puis tuer un animal. Non. Non, ça, je voulais pas faire ça non plus. J'aimerais revenir sur votre apport à la sculpture. Vous avez fait une magnifique pièce qui orne la façade de l'église Notre-Dame. Oui. Vous avez utilisé à l'époque une technique un peu spéciale. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oh oui, C'est fait comment? ça c'est du fibre de verre là, une toile avec le liquide, tu sais. Fait que j'avais fait Une forme? une comment je pourrais dire ça, Une structure? une forme en bois à peu près, C'est tu sais, ça. avec des formes de pour. Après ça, j'ai pris une toile, puis là c'était avec de l'acrylique. Ça séchait vite aussi, ça, tu sais. OK. Alors, dans ce temps-là, je prenais des cours aussi, des arts à l'université. OK. Puis là, c'est les autres aussi qui m'ont aidé, ils m'ont expliqué ça. Puis j'allais là, ils me permettaient ils me donnaient les clés même samedi, dimanche, Local. de l'école, pour aller pratiquer dans l'atelier. Parce que est-ce que c'était la première fois que vous utilisiez cette Oui, technique-là? oui. C'est OK. là que j'ai appris à l'en faire, tu sais. Parce que c'est une pièce qui mesure combien de haut? 12 pieds, 3 pouces. C'est précis, parce que c'est une pièce Ah quand oui. même imposante. Oui, puis à peu près 36 pouces de gros, là. Oui. Eh bien. Et Oui. en plus de la sculpture traditionnelle, vous avez à votre actif aussi plusieurs pièces de sculpture en bas-relief. Vous avez vraiment touché à tout, mais le Oui. bas-relief était assez méconnu. Pourquoi vous vouliez essayer Ben, ou... c'était tout simplement pour essayer ça. Pas jamais ça. Puis jamais essayer des choses nouvelles aussi comme ça. Ouais. Vous aimiez le bois? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, en aimant la nature, là, Oui. on aime le bois aussi. Bon, oui, puis quand j'étais jeune, je faisais des jouets pour mon petit frère le plus jeune, puis ma petite soeur. Je leur faisais des jouets, des petites voitures, un carrosse. J'étais toujours à travailler comme ça. Bricoleur. Ouais, j'étais un bon bricoleur. Est-ce qu'on peut dire que le bricolage, c'était un passe-temps? En Ah, plus de... c'était important, mais il fallait que je le fasse. Ah, Ah oui, c'était ah oui, impératif. ah oui, ah oui. Eh bien, en 87, un de vos anciens élèves, Serge Aymon, avait déclaré à une entrevue à Radio-Canada, et je cite, J'ai eu la chance de travailler avec un très grand maître, Raymond Lachance. Ce dernier m'a montré les rudiments de la peinture, mais il m'a donné beaucoup plus. Il m'a transmis cette passion pour l'art. C'est un grand maître, un très grand maître. Être connu parmi les grands,
Ça doit faire plaisir. Mais ça, je savais pas ça. Non? Non. Ça a-tu paru, ça, à la télévision ou quelque chose? C'est supposé, je sais pas, là, il faudrait lui demander à lui à ce moment-là à Ouais. quelle occasion ça avait été dit, mais c'est un témoignage que plusieurs artistes de la région font. Je pense que il y a juste vous qui ne le savez pas, peut-être, mais on Ouais. vous considère comme un très grand artiste. Ben, ça me fait plaisir de le savoir, certain. Ça, c'est ça comme. De toute façon, je le disais, je voudrais, vous viendrez toujours meilleur que moi. Et je pense que tous ceux qui sont passés par vos ateliers vous doivent beaucoup et le réalisent, je pense, parce qu'il y a des bases que vous avez Ah données qui sont oui, intéressantes. mais ça, j'étais exigeant pour les lois de la comme ça, tu sais. Si Je tu sais. dessines, fais comme le titre, bien dessiné, pas fait des dessins là, à peu près, tu Je sais, parce que moi, j'ai passé aussi sais. un petit peu, pas très longtemps, mais j'ai été, et c'était en dessin, et ça, vous demandiez beaucoup. C'est vrai que Oui, vous étiez ben exigeant. ça j'ai eu la chance d'avoir Yacourteau, mon premier professeur. Puis lui, c'est un spécialiste dans le portrait aussi. Ça fait que quand il disait, si vous voulez apprendre à dessiner une personne, la figure, tu sais, c'est un fait. C'est Parce que très quand tu difficile. fais le portrait d'une personne, tu le vois, si tu as réussi, puis la personne ne se ressemble pas, il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais. Mais je pense que tous ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent devenir des bons artistes, aiment que le professeur soit exigeant. Je pense que Ah c'est oui, important. il faut certains. C'est Puis ça. d'ailleurs, si on n'est pas exigeant, ben on laisse la personne à travailler comme elle veut, laisse-la l'autre seule. C'est ça. C'est ça. Mais puis ça, faut être guidé. Même si on a du talent, moi depuis que j'étais jeune, que je bricolais tout le temps et que je dessinais. J'allais pas à l'école, puis j'étais toujours. Même ma mère, elle était toujours ramasse ses affaires, ramasse ses affaires. Quand je dessinais, puis après ça, ben, je laissais tout ça là. C'est que. Bon, j'avais 6-7 ans, je pense. C'était comme c'était. Fallait que je le fasse, ça. Ah ouais. T'as un besoin. Ouais. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de toutes ces années? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans tout ce que vous avez fait? Ben, il y a d'abord ce qu'on disait tantôt. Ceux qui ont continué à en faire, ça leur a donné le goût. Ça m'a fait plaisir, ça, de voir que je pouvais donner le goût aux gens, tu sais. Mais après ça, ben, naturellement, moi, vu que j'étais jeune, puis j'aimais ça, dessiner, puis j'ai été un an et demi à voyager un petit bout de temps la première fois. C'était une fois par semaine. Après ça, j'allais deux fois par semaine, après ma journée de travail, à Québec, chez Yacourteau. Ça Faut fait que, vouloir. ouais, ça fait qu'il fallait que j'aime ça, t'sais. Hein? Vous êtes allé en Europe quelques fois, je pense. 3 fois. Trois fois. Ouais. C'était par plaisir pour voyager ou est-ce que vous recherchiez quelque chose en particulier? Ben, c'était le plaisir. Ben, je pensais de découvrir quelque chose, c'est là. Mais j'ai Vous rien. n'avez pas Non, trouvé j'ai été à Épinal. OK. Puis, tout ce que j'ai de souvenirs, j'ai fait le dessin de Pinot. Pinot, ça, c'était. Un petit gars de la ville d'Épinal. OK. Puis c'est des Italiens qui ont fait un souvenir là, pour les Français. Pendant la guerre, OK. il y avait eu un bombardement, puis il avait brisé une sculpture. Fait que les Italiens ont donné sur une base un petit gars assis, puis qui s'enlève une épine du pied. Puis je regardais, j'ai encore ça dans mon atelier. Ah oui. Tu as assez, puis allez, ça enlève une épine du pied. Et ça, épine, épinal, pinot, tu C'est ça. J'ai été Et 3 fois, là. oui, Ouais. on dit que vous aviez un peu de difficulté à vous départir de vos pièces. Vous avez même parfois refusé d'en Oh vendre. Pourquoi? oui. Ben. C'est parce qu'on est attaché. Quand on fait un tableau, puis qu'on vraiment on aime ça, là, on veut pas se laisser aller tout de suite. Oh, Ah, vous j'en ai n'êtes pas le encore. seul J'en ai comme ça. beaucoup encore. Oui, je pense que Ah oui, hein? oui.
Si vous aviez à refaire une carrière artistique, est-ce qu'il y a des choses qui seraient différentes? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez ou est-ce que... Non, oh non. Non. Même j'ai fait de la musique, mais j'ai jamais eu de professeur. Puis je lisais la musique, c'est plusieurs instruments, le violon, la guitare, la clarinette, le saxophone. Est-ce qu'une carrière là-dedans vous aurait tenté? Je faisais la musique de danse les fins de semaine. Ah, c'était presque... Ah oui, puis après ça, je jouais dans fanfare. J'ai joué dans les deux fanfares de Thetford aussi. Ça, c'était le saxophone. Puis la musique de danse, j'ai fait ça pendant 18 ans, je pense. Ouais, toutes les fins de semaine. Ouais. C'est presque deux carrières Ah oui, mais de c'était dans front. les Mais c'est arts, ça. les arts toujours, c'est Ouais, c'est ça, ça, c'est ouais. ça. Et si un jeune vous demandait des conseils pour s'orienter dans le domaine des arts, qu'est-ce que vous lui diriez? Ah ben, de toute façon, je pourrais lui demander si vraiment il aime ça aussi. Puis s'il est capable d'accepter la difficulté. Ça, qu'un jeune ne soit pas surpris si c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, ça. Puis faudrait toujours être jamais satisfait pour nous obliger à toujours à chercher, à chercher tout le temps. Toujours Oh. essayer d'aller plus Ah loin. oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Même si on lui dit qu'on a du talent, moi, il me disait toujours chez nous, et les gens alentour, parce qu'ils me voyaient, j'étais toujours à bricoler. Il me disait toujours que j'avais du talent pour ça. Mais c'est pas facile. C'est beaucoup de travail. Ah, C'est ce que je beaucoup. retiens dans votre vie, c'est ça. C'est Beaucoup de ça. travail C'est ça. pour vous-même et pour Oh. tous vos élèves. C'est ce que vous avez Oui, toujours. mais c'est un travail qui me fatiguait pas, parce que j'aimais ça, tu sais. Oh. Est-ce que vous avez touché à l'abstrait? L'abstrait? Oui, est-ce que vous avez essayé? Non, ça, je n'ai pas. C'est-à-dire que ça dépend de l'abstrait. Si c'est un abstrait qu'on garoche une tache, là, mais s'il y a une belle composition, des belles harmonies de couleurs, ben, je trouve, pour moi, je trouve que ça doit être difficile pour le gars. Parce qu'on n'a pas rien. Quand on a un paysage, ben, au moins, on a des formes que les gens connaissent, Des qu'on points de connaît, repère. mais. Faire un beau tableau juste par l'harmonie des couleurs puis la composition, là. J'ai essayé déjà un peu, mais non, ça me le disait pas. C'est pas parce que je n'aimais pas ça, c'est plus que je voulais pas ça. Mais j'étais pas capable. Fallait, il me semble, que j'aille quand même aller dessiner, faire un paysage. Faut que j'aille à la nature. Je le dessine pas par cœur, Ça tu vous sais. prenait des points de repère, Ouais, c'est ça. c'est peut-être parce que c'est une exigence que j'ai pour la précision aussi. C'est ça. C'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour.